Et le but. Le but de Jonathan Mexique. Derrière, et voilà, ça part de loin. Attention au départ. Attention avec la touche. Attention, Baouya. Sur un du but ouvert pour Jonathan Mexique, l'ancien Londonien. Ne va pas se trembler. Au moment de mettre définitivement l'abri, le SO Cholet. Bon, je trouve sur le côté droit. Bien décelé sur le côté droit, mais il arrive à trouver Jonathan Mexique qui va rentrer dans la surface de réparation, qui se défait de tout le monde. Et cette frappe de Jonathan. Mais il n'y a pas une équipe qui est au-dessus de l'autre, ça c'est clair. Ouais, attention, avec le très bon ballon, mais l'excellent retour défensif. C'est super, je crois qu'essayer de partir à côté. Ça devient rugueux là, ça devient difficile. Mexique, c'est dévié, c'est surtout au fond des filets. C'est surtout au fond des filets. Une seconde chance pour les joueurs Choletais. Le ballon à l'entrée de réparation qui a été décalé. Le tir et le but. L'ouverture du score pour Choletais. Mexique en sort pas de réparation. Mexique par réduction d'écart. À la 59e minute. Il n'y a pas de position d'enjeu manifestement. Et l'ouverture du score de Cholet. Voilà, elle est signée. Au maximum. Cholet essaye de camper un peu dans le tamponneau. Peut-être changer de mentalité et aller encore plus de l'avant. Ouais, c'est peut-être ce qu'ils font à l'instant, même si Jonathan Mexique fait mauvaise transmission. Mais les Choletais vont garder la possession du ballon. Très belle fin de passe de Jonathan Mexique. Contre d'ailleurs, Jonathan Mexique pour retrouver Billy Kelly au fond de l'entrée de la surface. Billy Kelly au fond pour Jonathan Mexique. La frappe peut-être de Jonathan Mexique. Il y aura un tacle. Je veux le rassurer. On est déjà reparti très vite avec Jonathan Mexique qui va réussir à éliminer très facilement. Ça réfère au résultat provisoire. Effectivement, Dunkerque pour l'instant prendrait la tête du championnat à égalité. Elle va pouvoir se retourner. Il a une nouvelle fois un deuxième joueur sur le rable. Un ballon récupéré cette fois-ci. Le ballon mal négocié par un ami. Il a mis le ballon dans le dos de Kouss. Rivlin qui tente de couper. La ballon remontée du terrain là de la part du soutien. On entend, ça a été dégagé par la défense de Tess qui se relance avec Travelsi. Qu'on voit au sol dans cette partie. Jonathan Mexique qui va faire le tour de Lucas Toussaint. Jonathan Mexique le centre, est-ce que ça va louper? Ça y est, non, il n'a pas réussi à remettre. Il est parti. Dabas qui progresse, Dabas il est passé avec Jonathan Mexique. On est d'abord la surface et ça va partir avec Jonathan Mexique. Il est un petit peu là. Il a tenté la frappe. Qui va pouvoir contrer avec Jonathan Mexique? Juste devant lui, ça s'est vite replacé du côté de Cholet, mais c'est pas pour autant terminé. Mais si, c'est terminé. Et encore une fois,